Pour ouvrir ce voyage en musique, artistes canadiens et belges sont réunis sur la scène du Théâtre de Mons autour de la plus célèbre page du compositeur américain Samuel Barber.
L'œuvre la plus célèbre du compositeur américain Samuel Barber, un modèle de page nostalgique. Nous écoutons Franck Braley. De vous voir si nombreux dans ce beau théâtre. Alors, pour tout vous dire, j'avais eu l'idée de construire ce concert comme un grand crescendo avec l'ORCV en introduction et puis nos amis canadiens ensuite, les orchestres qui se fusionnent et qui sont rejoints ensuite par le piano et les timbales. Mais la rencontre et les premiers moments de musique entre nos collègues et les musiciens de l'ORCV a été si naturelle et si chaleureuse que très rapidement, les musiciens sont venus me demander de commencer ce concert tous ensemble. Et je trouve qu'ils ont eu raison, parce que c'était une introduction très très émouvante, évidemment, avec cette pièce de Barber écrite en 1936. Nous aurons maintenant une petite respiration nostalgique avec beaucoup de charme, puisque vous voyez que simplement les violons du roi sont avec nous sur scène. Jean-François Chamberlan a pris la place de Pascal Giguère, que vous allez entendre jouer en solo cette très belle œuvre d'Isaïe. Ensuite, Michel Lysaït, qui nous a écrit, qui vous a écrit pour vous une pièce spécialement pour l'occasion, viendra nous dire quelques mots de November qui sera créé ce soir. Et puis nous terminerons la première partie avec cette magnifique adagietto de Mahler qui me fait toujours penser à ce merveilleux livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier, voilà, quand lui parlait du début du XXe siècle où tous ces intellectuels de tous les pays correspondaient, étaient amis, et puis tout ça s'est effondré, ils se sont trouvés dans des camps différents en 1914, et ça s'est terminé par un désastre. Donc c'est un peu la chute de cette Europe, grande Europe intellectuelle. Et en seconde partie, donc là nous aurons les orchestres fusionnés et les deux orchestres seront exactement en miroir pour cette œuvre très très puissante de Martinou, là écrite avec l'angoisse de la guerre, l'angoisse de la seconde guerre, et qu'on sent beaucoup dans cette pièce. Il pressentait dans les années 30 qu'un nouveau désastre s'annonçait, et on le sent dans cette pièce très 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 intense. Alors je dois vous dire deux petites choses, trois même. Faites bien attention à vous en sortant de la salle, parce que ce sera très 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 obscur à cause du mapping sur la grande place. Donc on ne voudrait pas qu'il y ait de blessés, il y en a eu assez il y a 100 ans. Voilà, prenez soin de vous et faites attention, allumez les lumières pour ne pas tomber. Deuxième chose, Michel Lysaït, que nous verrons tout à l'heure sur scène, vous aurez le plaisir et nous aurons le plaisir de le retrouver à la fin du mois pour un concert à Ars Musica et à Mons autour de sa musique, avec encore une création d'un concerto de piano. Cette fois-ci, je serai au piano. Et pour ceux qui n'ont pas votre chance d'être dans la salle ce soir, ils pourront écouter le concert demain à la radio. Et dans toute l'Europe même. Donc nous avons besoin de votre participation, parce que ce passage en radio dépendra aussi de la qualité et de l'intensité du silence. En fait, vous jouez avec nous ce soir et on vous entendra ou pas à la radio demain. Voilà, je me réjouis maintenant avec nos amis canadiens d'accueillir leur violon solo Pascal Giguère pour cette très délicate et très émouvante pièce d'Isaïe, Neige d'antan.
On m'a demandé de présenter quelque peu la pièce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de composer à l'intention de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et des Violons du Roi pour célébrer la signature de l'armistice et donc la fin de la guerre 14-18. Alors, je dois dire que quand Laurent Fac, le directeur général de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, m'a passé cette commande, je me suis dit, bon, comment célébrer, dans le fond, quelque chose qui a été 4 ans d'abomination. Et finalement, je me suis dit, je vais non pas illustrer la fin, mais plutôt l'événement en soi. Et assez vite, l'idée d'illustrer une bataille très symbolique sur le plan musical s'est imposée. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, parce que de toute façon, le texte qui est dans le programme présente l'œuvre sur ce plan. Mais ce que vous allez entendre, dans le fond, se veut l'illustration de ce qui peut arriver, des différents événements qui peuvent arriver sur un champ de bataille. On peut avoir des événements, des événements extrêmement dramatiques, tragiques, tendus, bien entendu. D'autres qui vont être des moments d'apaisement. On sait que sur le champ de bataille, il y a eu des moments même de fraternisation entre les troupes ennemies, moments qui ont été assez vite réprimés par les officiers qui ne trouvaient pas ça bien, mais on sait que ça existait. Il y a eu des moments de repos, bien entendu, et tout ça se mélange, évidemment. Et dans cette œuvre, c'est un peu ce genre de choses que j'ai essayé de refléter musicalement. Alors, de manière récurrente, il y avait une petite phrase qui était en permanence dans ma tête au moment de la composition. Et cette phrase, c'est « La lumière brille, même dans l'obscurité la plus profonde ». Et j'ai voulu terminer la pièce sur une note d'espoir. Sur une note d'espoir, avec un accord qui soit le plus lumineux possible. Parce que dans cette pièce, il va se passer beaucoup de choses. Mais finalement, la fin de la guerre doit toujours déboucher sur une note d'espoir. Et c'est ça que j'ai voulu refléter, en tout cas, à la fin de cette pièce. Et le silence qui suit, je l'espère, est encore une forme de lumière qui est issue de l'obscurité. Alors, je voudrais, franchement et très sincèrement, remercier profondément l'Orchestre de Chambre Royale de Wallonie, les Violons du Roi de Québec, Franck Bralet, pour le travail tout à fait remarquable et extraordinaire qu'ils ont fait sur cette pièce pour la mettre en place, parce que c'est une pièce très délicate, assez difficile. Et je dois dire une chose, quand on est joué par des musiciens de cette qualité-là, c'est non seulement un plaisir, mais un honneur. Je vous remercie.
Thank you.
Nous écoutions l'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler, une partition de 1901, et l'interprétation de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et des Violons du Roi, donc deux ensembles de chambre, l'un belge, l'autre canadien, placés sous la direction de Franck Brallet. C'est un concert qui a été enregistré hier au Théâtre Royal de Mons, Mons qui célèbre l'armistice en ce 10 et 11 novembre 2018, 100 ans qui nous séparent de cette monstrueuse grande guerre, et cette occasion évidemment avec les amis canadiens de célébrer une amitié qui n'a jamais été qui est indéfectible certainement. Après la pause, nous aurons l'occasion de retrouver ces deux orchestres pour écouter le concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales de Bohuslav Martinů. Mais si vous le voulez bien, nous allons donc profiter de ce temps de pause pour faire plus ample connaissance avec les musiciens canadiens des Violons du Roi, cet ensemble créé en 1984, il y a 34 ans, à l'initiative de Bernard Labadie et qui est à présent sous la direction musicale de Jonathan Cohen. Alors j'ai rencontré les musiciens jeudi, peu après leur arrivée à Mons pour les répétitions de ce concert. Alors je suis Laurent Patenaude et je suis le directeur de l'administration artistique pour les Violons du Roi. Les Violons du Roi, R-O-Y, de quel roi s'agit-il? Ben, c'est un roi un peu imaginaire, c'est le roi de France. Je crois que c'était Louis XIII, Louis XIV qui avait cet orchestre des Violons du Roi à l'époque. C'est un clin d'œil que les Violons du Roi, que notre orchestre a pris, puisqu'on est installé à Québec, ville française d'Amérique. Un clin d'œil donc à notre héritage français. Est-ce qu'il y a des anglophones dans la formation des Violons du Roi? Il y a des gens qui sont de... Oui, qui sont de culture, disons, bilingue, des gens qui ont un parent francophone, un parent anglophone, par exemple. Mais disons que la grande majorité est francophone. Laurent Patenaude, qu'est-ce que ça implique comme dimension artistique que de rejoindre un orchestre qui ressemble au vôtre? Ben, c'est très excitant. C'est une première pour nous. En fait, on a déjà fait une expérience comme ça avec un orchestre canadien, mais à l'étranger, c'est la première fois. Donc, c'est un peu un saut aussi dans l'inconnu. On connaît l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie par les enregistrements, par Internet, mais c'est pas comme être en relation directe avec des gens. Donc, mais en même temps, c'est vraiment, comment dirais-je, ça frappe l'imagination de dire, ben, on va mettre en commun notre travail. On a eu de très, très bonnes relations épistolaires, si on veut, avec les dirigeants de l'orchestre, avec Franck Brallet, avec Laurent Falk. Alors, on se sent très, très, très accueillis, très bien accueillis, et c'est excitant de penser qu'on va travailler ensemble. C'est commencé déjà, et c'est très prometteur. Quelle est la spécificité des Violons du Roi? Alors, c'est un orchestre de chambre qui joue sur instruments modernes, mais comme une grande partie de son répertoire est baroque et classique, on utilise des archets baroques pour le répertoire baroque et des archets classiques pour le répertoire classique. Donc, chaque musicien a trois archets différents. Et voilà, c'est un orchestre aussi à géométrie variable, un peu comme plusieurs orchestres de chambre. Donc, on peut faire du répertoire à 14 cordes, comme on peut faire du répertoire à 35 musiciens pour faire des symphonies de Beethoven. Et on a aussi un chœur qui s'appelle la Chapelle de Québec, avec lequel on fait des oratorios, par exemple. Vous avez voyagé entre l'Amérique et l'Europe ce mercredi, enfin dans la nuit. Oui. Nous sommes jeudi au moment où nous faisons cet entretien et les premières répétitions ont commencé. On l'entend derrière notre voix. Comment s'est passé votre voyage? Un musicien doit, par exemple un violoncelliste, il doit acheter une place dans l'avion pour son violoncelle? Oui, en fait, l'orchestre achète une place pour les violoncelles. Les instruments comme l'alto, le violon sont en cabine. Parfois, ça cause des soucis aux agents de bord, mais en général, ça va. Et on a une contrebasse aussi qui doit voyager en soute. Et bon, malheureusement, qui a été un peu abîmée dans le voyage cette fois-ci. C'est toujours les aléas du travail de tournée. Nos musiciens sont quand même habitués de voyager. On fait une à deux tournées, parfois trois dans une saison. Donc, ça fait partie vraiment de la vie de nos musiciens d'être en tournée. Pour nos musiciens, la Première Guerre, la Grande Guerre, c'est un peu lointain dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a, y a pas de grand-père de nos musiciens qui a fait cette guerre-là, par exemple. Y a pas de lien direct, mais il y a un lien absolument
claire de reconnaissance envers ces gens-là qui ont donné leur vie. Et je pense aussi de savoir qu'une ville comme Mons entretient la mémoire de Canadiens. C'est assez précieux, c'est assez spécial aussi de dire même qu'il y a peut-être des gens aussi à Mons qui sont, en quelque part, peut-être plus conscients même du don ou du sacrifice qui a été fait par des Canadiens. Donc, c'est un acte aussi d'humilité de dire, bon, ces gens-là, on reconnaît cette contribution, cette reconnaissance. Donc, prenons le temps de s'y arrêter. Et je pense que c'est vraiment une bonne occasion aussi de dire, on fait de la musique, on fait quelque chose de beau pour un peu commémorer quelque chose qui, à la base, était affreux, la guerre, mais que des gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour arrêter cette horreur. Vous savez que ce sont les Canadiens qui ont libéré la ville de Mons? Oui, tout à fait. C'est absolument touchant de penser ça, de penser qu'il y a une mémoire de ça aussi, encore maintenant, à Mons. Et on voit fleurir des coquelicots un peu partout? Absolument. Les musiciens porteront le coquelicot pour les concerts et de façon très, très naturelle. Et on voit un peu partout les drapeaux canadiens sur la place, la grande place de Mons. Alors, c'est très touchant aussi. Et il y a une série de commerçants qui ont paré leur vitrine avec des souvenirs de la Grande Guerre. Oui, absolument. J'ai vu un antiquaire qui a mis des livres sur la Première Guerre. Donc, non, c'est assez touchant. Puis je pense qu'il y a un devoir de mémoire qu'on a tous. Et peut-être spécialement donc les Canadiens qui viennent ici et qui disent, bon, ben, il faut vraiment ne pas oublier. Est-ce que vous avez entendu parler de la légende des anges de Mons? Un peu, mais je ne pourrais pas vous la raconter. Donc, elle a passé l'océan, cette légende? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais à quelques reprises, je sais qu'il y a une trentaine d'années, justement, il y avait un chœur d'enfants de Montréal qui était venu ici aussi pour honorer les soldats morts ici. Donc, il y a un lien qui, je pense, qui va perdurer. Laurent Patenaude, comment est-ce que vous voyez cette petite ville de Mons sur le vieux continent? Absolument charmante. On n'a pas eu le temps beaucoup de la découvrir, mais on a arpenté quelques-unes de ces rues hier. C'est vraiment magnifique. On sent aussi une espèce d'ébullition culturelle dans une petite ville, de voir des salles de concert, de voir des musées, des galeries. Alors, on sent qu'il y a une espèce de grande valeur accordée à la culture. Alors, c'est inspirant. Pascal Giguère, premier violon solo, violon du roi, orchestre de chambre québécois. Un orchestre qui a quelle spécificité? Je dirais que notre orchestre de chambre essaie de parcourir le plus large répertoire possible, mais disons que peut-être 75% disons, de notre temps de travail est consacré à la musique baroque et à la musique classique. Disons qu'en tournée sur disque, on est peut-être plus connu pour ce répertoire, mais on va jusqu'à Bartok, Britten, on essaie vraiment de faire tout le répertoire écrit pour orchestre de chambre. Alors, partager une aventure comme un concert avec une autre formation que vous découvrez, c'est bon, célébrer une amitié, ça c'est extrêmement positif. Mais d'un autre côté, il y a des difficultés artistiques aussi. Oui, bien sûr, mais en même temps, pour avoir partagé la scène par chez nous avec un autre orchestre de chambre qui est à Montréal, je trouve qu'il y a un esprit à travers un orchestre de chambre. Ça le dit bien, c'est la musique de chambre. Alors moi, j'étais très, très confiante donc de rencontrer des collègues fantastiques, à l'écoute, ouverts. Donc je trouve que l'esprit de chambriste est toujours présent dans un orchestre de chambre. Donc on se fait de la place, on s'écoute. Donc il y a des difficultés, mais il y en a tous les jours. Mais là, c'est dans le plaisir. Et puis on a fait une belle journée de répétition. Vous qui venez du Nouveau Monde, comment vous paraît cette vieille Europe et cette petite ville de Mons? Mais j'adore. Hier, on est arrivé hier et j'ai eu le temps un petit peu de me promener, la grande place, le beffroi et tout, bon, les sites historiques. C'est magnifique, j'adore. Et habitant la ville de Québec, qui est une ville qui a 400 ans, c'est très jeune à comparer à tout ce qu'il y a ici. Mais la ville de Québec, c'est une petite ville. Alors, je retrouve un esprit peut-être commun ici. Puis évidemment, là, c'est effervescent parce que pour les commémorations, donc il y a plein de drapeaux canadiens partout. On sent qu'il y a une énergie qui est différente, j'imagine, que d'habitude. Mais il faut dire que c'est grâce aux Canadiens que la ville de Mons a été libérée. C'est un événement quand même important et c'est heureux qu'il soit célébré dans l'amitié aujourd'hui.
Oui, absolument. Moi, j'étais très... je suis très, très touchée par l'invitation. Et puis, je crois que d'être ici, ça me fait prendre la mesure vraiment de l'importance de ce moment historique avec l'armistice et puis l'apport des Canadiens dans ce triste événement. C'est incroyable. Est-ce qu'on enseigne au Canada l'histoire et l'histoire de cette grande guerre? Mais j'avoue que non. Ou très peu. Mais moi, avant de partir, il y a évidemment plein de documents qui ont été produits, même par la Société Radio-Canada, que j'ai écouté avant de partir, qui raconte l'histoire de la guerre, vu du point de vue des Canadiens, ce qui se passait au Canada aussi pendant ce temps-là, et les batailles avec des témoignages de soldats canadiens. Et puis... j'avoue que ça serait intéressant qu'on puisse faire entendre ces témoignages-là d'archives et puis qu'on l'enseigne davantage. Évidemment, je pense que à l'école, on nous enseigne peut-être plus ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre. Mais j'avoue que la Première Guerre, on passe rapidement là-dessus. En tout cas, moi, j'étais pas à ce point-là au courant de tous ces événements. En plus, le premier soldat qui est tombé dans la région était un soldat du Commonwealth et le dernier tué de la guerre, estime-t-on, est aussi un soldat du Commonwealth qui est tombé à 10h58, donc 2 minutes avant l'armistice. Un Canadien, en fait. Oui, c'est ce que j'entendais aussi dans les témoignages d'archives, tout juste avant que l'armistice soit déclaré. Je crois qu'on a intérêt à... La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Mais là, je parle du Québec, mais c'est à l'intérieur du Canada. Mais la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Il y a beaucoup de choses dont on devrait se rafraîchir la mémoire. Alors, la musique, c'est un instrument de paix, toujours? Oh, je crois que oui. Vraiment. Je crois que oui. Hier, dans l'avion, je réécoutais certains reportages. Je me disais à quel point... évidemment, faire la musique, c'est pas sauver une vie physique, mais je pense que ça unit et ça rassemble autour du moment présent. Puis je pense que c'est ça aussi quand on fait un concert et qu'on est sur scène, c'est d'être c'est le moment de partage. Thank you.
Thank you.